Je suis Didier Touche, conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et donc j'interviens auprès à la fois du chef d'entreprise et du particulier sur la gestion patrimoniale et l'optimisation fiscale. Le thème de la réunion de ce soir est l'optimisation des revenus du dirigeant. Les formations possibles sont le choix du statut et l'optimisation de la rémunération du dirigeant, la gestion patrimoniale des flux de l'entreprise et la cession d'entreprise. Les cibles de cette réunion sont les chefs d'entreprise, les professions libérales, commerçants et artisans. Je suis Bertrand Ambrial, avocat au sein de la société Jurideca, installée à Vichy. Nos domaines d'intervention principalement sont l'assistance et le conseil aux chefs d'entreprise dans le cadre de la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine professionnel et privé. Et il est important aujourd'hui de faire des choix et de comprendre comment l'on fait des choix et de comprendre également les informations qui sont données pour faire les choix qui sont offerts aux chefs d'entreprise. Nous allons proposer trois types de formations en fonction de l'état d'avancement du chef d'entreprise dans la construction de son patrimoine professionnel au début, au démarrage, lorsqu'il faut choisir les statuts du chef d'entreprise. Par la suite, également, la façon dont on va gérer les revenus de l'activité professionnelle et en dernier lieu, la transmission de l'entreprise. Ces formations s'adressent aux chefs d'entreprise et aux porteurs de projets tout au long de leur parcours professionnel.